Bonjour, nous allons corriger dans cette épreuve. En fait, il s'agit de l'université Yaoundé 1, département de physique, physique 1011, électrostatique, filière physique, examen de fin de semestre, janvier 2020, durée 2 heures. Examinateur, ce sont les noms des examinateurs ici. Voilà. On dit ici, notez bien. NB, aucun développement n'est demandé. Les réponses obtenues seront reportées exclusivement au verso de votre feuille de composition. Grand 1, 30 points. Dans le référentiel OUX-UY, on place deux charges identiques et opposées, Q, moins Q et plus Q, au point. Grand A de coordonnées moins D sur 2, 0 et B de coordonnées D sur 2, 0, respectivement comme illustré sur la figure. Donc voici la figure ici. Donc, comme illustré sur la figure, de manière à constituer un dipôle électrostatique, D très petit devant R. On se place dans la base UR8θ et on néglige, en fait il s'agit là d'un repère polaire et on négligera tous les termes en 1 sur R carré. Petit 1, déterminer en tout point M de coordonnées Rθ le potentiel en fonction de R et de θ. Petit B, l'équation des surfaces équipotentielles. Petit c, le potentiel en fonction de P, moment dipolaire, UR et R. Petit 2, déterminer en tout point M de coordonnées R et θ, le vecteur champ électrostatique en fonction de R et de θ. Petit b, l'équation des lignes de champ. Petit c, le champ électrostatique en fonction de P et R. On se place dans le référentiel OUX-UY. Petit 3. En déduire en tout point M de coordonnées X, Y. Petit A, le potentiel en fonction de X et de Y. X et Y. Petit B, les composantes du champ électrostatique EX, EY en fonction de X et Y. Grand 2. The metallic sphere of radius is 0, carrying a charge 2Q plus 2Q, is placed at the center of a low spherical conductor of internal and external radius is 1 and E2 respectively, who carry a charge plus Q as illustrated in Figure 2. Donc c'est ça ici. C'est ça, figure là ici. Question 4. Calculer des surfaces density sigma interne and sigma externe on the internal and external wall of the hollow spherical conductor respectively. Question 5. Knowing that there is a continuity of the potential at the core crossing of the surface of the conductor, calculate at any point M coordinate R, theta and phi. Petit A, the electrostatic fields. Petit B, de potentiel. Question 6. Calculer petit c, l'électrostatique potentiel energy of the distribution. Petit d, the flow of electric field created by the distribution through any surface. Question 7. Calculer the capacity of the capacitor formed by the two
conductor of the two. Now, notez bien, dans le cas de grand 1, on vous rappelle que la distance AM est égale à R plus D sur 2 cosinus θ. BM est égale à R moins D sur 2 cosinus θ. Et 3P, facteur de P scalaire R, autour fois R moins R carré P, est égal à 2 fois PR carré cosinus θ UR moins PR carré sinus θ Uθ. Donc, voilà l'exercice. On va maintenant commencer la correction. Bonjour, nous allons corriger dans l'exercice de la partie 2. On dit ici, a metallic sphere of radius E0 carrying a charge 2Q plus 2Q is placed at the center of a hollow spherical conductor of internal and external radius E1 and E2 respectively, who carry a charge plus Q as illustrated in figure 2. This is the figure. Calculate the surface density sigma intern and sigma extern. On the internal and external wall of the following spherical conductor respectively. Knowing that they are the other question we are answered, bon, on va répondre question par question. Donc, partie 2. Partie 2, nous allons donc répondre. On nous dit donc qu'il y a un conducteur sphérique. Donc, voici par exemple. Ici, c'est un conducteur sphérique de centre O et de rayon A0. C'est entouré donc d'une autre cahier sphérique. C'est ça ici. Et ceci possède une charge à sa surface plus 2Q. Et l'autre ici donc maintenant, ceci possède donc une charge globale plus Q. Donc, voici ici, ça c'est A1. Ça c'est A1. Et ici comme ça là, c'est A2. C'est A2. Voilà donc ce qu'on a. Et on nous demande de calculer sigma. Et on dit que ici, la charge qui est repartie ici là, c'est bon, c'est Q. C'est plus Q. Donc, la charge globale, c'est plus Q. Donc, on va dire ici que ici là, Q prime. Ici là, c'est Q second. Donc, et on va donc dire que Q prime plus Q second égale à grand Q. Égale à grand Q. Donc, on aura quelque chose comme ça. Q prime plus Q second égale à grand Q. Donc, cette charge-là, c'est reparti. Et ici, on a le principe, on doit mettre ici là, si il y a une charge ici là, on doit savoir ici là que, ici à l'intérieur, le principe de superposition voudrait que, ici, ou des éléments correspondants, si on prend par exemple sur la face ici, ça va être la même charge, ça veut dire qu'on va dire que Q' égale à 2 fois Q égale à moins 2 Q. Ça va être les charges opposées. Q prime égale à moins 2Q. Ça veut dire que Q second moins 2Q égale à Q. Ça veut dire que Q second sera égal à 3Q. Donc, si Q second, on a donc Q second, Q prime, qui est encore égal à Q intérieur. Donc, c'est Q prime qui est égal à Q intérieur. C'est encore égal à sigma intérieur fois S intérieur. Donc, on va tirer donc sigma intérieur. Sigma intérieur, c'est-à-dire la densité surfacique
intérieur est donc égal à Q prime sur S, la surface intérieure. Or, la surface intérieure est égale à pi A, ça va faire Q prime sur pi A1 au carré. Donc, sigma intérieur est donc égal à moins 2 fois Q sur pi A1 au carré. Donc, voilà par exemple sigma intérieur. Maintenant, sigma extérieur sera égal à quoi? Étant donné que Q extérieur, ça c'est encore Q extérieur, qui est encore égal à sigma extérieur fois S extérieur. Donc, ça va faire, je vais tirer donc sigma extérieur qui est donc égal à Q second sur S extérieur. Donc, qui est encore égal à Q second sur pi A2 au carré. Pi A2 au carré. Donc, ça va faire donc ici sigma extérieur qui est égal à 3 fois Q sur 3 fois Q sur pi A2 au carré. Donc voilà sigma extérieur. Voilà c'est comme une formule de calculer sigma intérieur et sigma extérieur. La deuxième question donc maintenant, la question, nous sommes à la question, ça c'est la question 4. La question 5 donc maintenant, la question 5, on nous dit maintenant que, maintenant, knowing that there is a continuous of potential and crushing surface of conductor, calculate any point de electric field. Donc, on dit petit, calcul. Donc, calculons deux points. Petit A, le champ électrique. Électrique, électro, électro, statique. En tout point de l'espace. En tout point. Tout point de l'espace. De l'espace. En tout point de l'espace. Donc ce que nous on va faire, c'est quoi? Ce que on a plusieurs niveaux de calcul du champ. Si on prend le schéma-ci, on va calculer le champ à l'intérieur de ceci, ici, ici, ici à l'intérieur de la matière et à l'extérieur. Donc, premier cas, on va d'abord appliquer le théorème de Gauss. Donc, nous allons constamment utiliser le théorème de Gauss ici. Premier cas, pour le calcul du champ. Donc, selon Gauss, bon, en fait, on va prendre... Voici, ça c'est O. Ici, là, ça c'est A0. A0. Voilà. Voici le théorème de Gauss. Voici la surface de Gauss qu'on va délimiter ici. Ça c'est la surface. Donc, je vais préciser. La surface de Gauss. La surface de Gauss. Est une sphère de centre est la surface dans la surface de Gauss est la surface d'une sphère de centre O et de rayon petit r et de rayon petit r. Donc nous allons prendre ici pour petit r inférieur à A0. Selon Gauss, le flux est égal à la somme des charges intérieures sur epsilon 0. Or ici, il n'y a pas les charges à l'intérieur de cette surface de Gauss parce que les charges sont uniquement surfaciques ici. Donc on aura donc, ça sera donc égal à 0. Et si c'est donc égal à 0, ce qu'on aura, c'est, on va appliquer donc, selon la définition,
par définition, le flux est donc égal à double intégrale de E dS qui est encore égal à E fois S qui est encore égal à 4 pi R au carré E. Donc E, on aura donc maintenant le flux est égal au flux, ce qui équivaut à dire que 4 pi R au carré E est égal à on va dire égal à 0, ce qui implique que E, on va dire, appelons ça E1 égal à 0. On appelle ça E1. 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 E1 égal à 0. Donc, E1 est égal à 0. Est égal au vecteur nul. Comme le champ est une grandeur vectorielle. Maintenant, nous allons pour la deuxième partie. Pour maintenant, A0 compris entre petit R compris entre A1. C'est-à-dire on a entre l'espace, on est ici, dans cette partie-ci, on est ici. Et là, par exemple, je peux refaire le schéma ici. Ça, c'est A0. Ça, c'est A1. A1. Ça, c'est A2. A2. Donc, si je suis ici, je vais prendre la surface de Gauss. Voici la surface de Gauss ici. La surface de Gauss. Bon, on va prendre toujours pour ici. Et pour tout, symétrie du problème. Symétrie du problème. Tout axe passant par O, O qui est le centre de la sphère. Centre de la sphère est un axe de symétrie. De symétrie à la sphère. Par conséquent, il porte le champ. Donc le champ ici sera radial. E sera donc égal à E. E R fois E R ou E peut aussi être égal à moins E R fois E R. Donc le champ va être orienté selon E R. Tout plan. Donc voilà ce qu'on aura. Donc maintenant, selon Gauss, selon le théorème de Gauss, ici, à l'intérieur, c'est 2Q. Donc, ici, ça, c'est plus 2Q. Somme des charges intérieures est égale à 2Q. C'est-à-dire que le flux est donc égal à somme des charges intérieures 2Q sur epsilon 0. Selon la définition, le flux est égal à double intégrale de E dS. Qui est encore égal à E fois S, ça c'est E2 ici, E2 ici, donc ça va faire 4 pi R au carré fois E2, donc le flux est égal au flux, ce qui équivaut à dire que 4 pi R au carré E2 égale à 2 Q sur epsilon 0. On va donc tirer E2 qui est donc égal à 2Q sur 4Q epsilon 0 R au carré. Donc, ici là, E2 vecteur sera donc égal à Q sur 2Pi epsilon 0 R au carré ER. Donc, voilà ce que j'aurai ici comme champ E2. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'on va calculer maintenant à l'intérieur de la matière, c'est-à-dire ici. Ici à l'intérieur de la matière. Sachant que, bon, déjà pour dans le troisième cas, pour A1 inférieur à A2, inférieur à, donc inférieur à R plutôt, inférieur à A2,
donné dans l'espace-ci. Et là, par exemple, voici ce qu'on aura. Ici, c'est A0. A0, ça c'est. Ici, là, voilà ce qu'on aura. On est ici. Ici, là, c'est A1. A1. Ici, là, c'est A2. Donc, on est ici, dans la matière-ci. Voici, on va placer la surface de gauche ici. On peut venir donc ici, on prend une petite surface. Donc, ici, on aura le champ E. Et on aura, par exemple, notre DS ici. Voilà ce qu'on aura. On aura E, on aura DS. Donc, selon Gauss. Et ici, là, c'est plus 2Q. Ici, là, c'est moins 2Q. Et ici, à l'intérieur, on aura donc, selon Gauss, le flux à l'intérieur est égal à la somme de charges intérieures sur epsilon 0. Ça va donner plus 2Q moins 2Q sur epsilon 0. Ça donne 0. Donc ici, selon la définition, le flux est égal à double intégrale sur une surface fermée ds qui est encore égal à E 3 fois S qui est encore égal à 4pi R au carré fois E 3. Le flux étant égal au flux équivalent à 4pi R au cube R au carré plutôt fois E 3 égale à 0. Ça veut dire que E3 égale à 0. Ça veut dire que le vecteur E3 est égal à au vecteur nul. Donc voilà ce qu'on aura. Voilà. Et puis maintenant, le dernier cas. Le dernier cas, c'est pour R supérieur à A2. Pour R supérieur à A2. Donc ici, j'aurai, voici A0 ici. A0. Ici, ça, c'est A1. A1 ici. Et voici A2 ici. A2 ici. Et maintenant, je peux placer la surface de gauche, qui est une surface qui va passer, qui va encadrer tout ça. Donc, je prends une surface ici. Et ici, là, c'est E. Ici, là, ça, c'est E. Ça, c'est DS ici. Et ici, là, c'est E ici. Donc, selon Gauss, donc ici, c'est 2Q plus 2Q. Moins, ça, c'est plus 2Q moins 2Q. Et ici, ça, c'est plus Q. Plus 3Q. Donc, c'est plus 3Q ici. Et selon Gauss, on aura le flux est égal à somme des charges intérieures sur epsilon 0. Donc ça va faire ici, la somme des charges intérieures, ça va donner plus 2Q, moins 2Q, plus 3Q. Le tout sur epsilon 0. C'est donc ça, ça va donc donner 3Q sur epsilon 0. Selon la définition, alors, le flux est donc égal à double intégrale de E fois DS qui est encore égal à E4. E4 fois S qui est égal à 4pi R au cube fois E4. Le flux est égal au flux, ça va faire ce qui équivaut à dire que 4pi R au cube, R au carré plutôt, c'est R au carré ici plutôt, je m'excuse. R au carré c'est la surface du sphère fois E4 égale à 2 fois 3 fois Q0 Q sur epsilon 0. Donc on va tirer dans E égale à 3 fois Q sur 4pi epsilon 0 R au carré. Donc ça c'est E4. E4 donc sera donc égal à 3Q sur 4pi epsilon 0 R au carré fois ER. Donc voilà par exemple l'expression de E. Voilà l'expression de E. Maintenant on va calculer les potentiels. On va calculer les potentiels. Nous sommes à la question 5. On va calculer les potentiels. Nous sommes en coordonnées sphériques. Calcul des potentiels. Déduction des potentiels.